Ravie de vous retrouver. Oui, je sais. J'en suis désolée, ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de vidéo. Ça fait environ un an et demi que je n'ai plus filmé. C'est pour de diverses raisons. J'étais beaucoup absorbée par mon travail. J'ai eu quelques soucis de santé l'année dernière. Et puis les deuils dans la famille. Et tout. Donc c'est pour ça que j'ai été absente pendant tout ce temps-là. Mais là, I am back. Je suis de retour pour partager avec vous les petites expériences capillaires que j'ai faites entre-temps. Alors, comme vous l'avez remarqué, il n'y a plus d'introduction sur ma chaîne, c'est normal. J'ai perdu plein de fichiers dans mon ordinateur. Là, je vais repartir sur des nouvelles introductions. Voilà, ça va prendre un peu de temps. Je vais pas me précipiter pour faire une introduction sur ma chaîne. Je vais prendre du temps pour faire quelque chose de bien. Et en plus de ça, il y aura du nouveau sur ma chaîne. Je vais partager avec vous en plus des vidéos capillaires, ce qui est mon domaine de prédilection que j'adore. Je viendrai partager avec vous mes deux autres passions qui sont le fitness. Et puis le bien-être et la nutrition, je vous apporterai quelques conseils dans ce sens-là. Alors, j'ai changé ma routine depuis le mois de mars 2021. Je suis retournée vraiment au basique. En fait, en ce moment, j'utilise beaucoup la méthode aux huiles, la méthode 100% naturelle, la méthode ancestrale. Du mois de mars jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas utilisé d'autres produits que le baume ou alors le shampoing aux huiles. Je n'utilisais plus les poudres indiennes, j'ai tout mis de côté. C'est pas que je ne les réutiliserai pas. Donc c'est une routine que j'ai commencée là qui fait déjà 6 mois, qui me va plutôt très bien et qui me porte ses fruits parce que mes cheveux sont devenus un peu plus souples, ils sont un peu plus doux et poussent un tout petit peu, c'est essentiel. Voilà, donc je partagerai avec vous cette nouvelle routine. Je partagerai également avec vous des expériences que j'ai vécues, des astuces que j'ai piochées du côté des Américaines. Et puis, c'est des vidéos que je partagerai avec vous. J'appellerai ces vidéos du côté des Américaines parce qu'elles font plein de choses. Mais avant que ça arrive à nous, il va passer peut-être une année ou 2 années pour qu'on commence nous aussi à les tester. Donc, de temps en temps, j'irai jeter un coup d'œil là-bas et je viendrai partager avec vous. Seulement, la vidéo que j'apporte aujourd'hui, c'est le shampoing aux huiles. On l'a beaucoup vu sur YouTube. D'aucuns appellent ça la méthode ancestrale, mais j'ai envie de dire que c'est une technique que l'on pratiquait déjà. Mais comme on a toujours envie d'aller tester, voir ailleurs ce qui se passe, utiliser les produits, les actifs, ici, alors qu'on a au plus simple chez nous et qui va très bien, eh bien, on se retrouve à ne pas avoir de résultats au moment où on les attend. Donc, le mieux, c'est vraiment de se concentrer sur une routine capillaire qui va vous apporter des résultats. C'est ce que j'ai fait. Et puis là, je vois des résultats. Aujourd'hui, c'est le shampoing aux huiles. Je vous laisse la recette, celle que j'ai utilisée. J'en ai testé plusieurs. Je vous les partagerai également. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas, c'est aussi simple, vous appuyez juste sur le bouton s'abonner et puis c'est fait, vous activez les notifications. Je vous laisse avec la recette de shampoing aux huiles. Si vous l'avez essayé, n'hésitez pas à me dire sur les commentaires ce que vous utilisez comme produit, ce que vous utilisez comme technique pour faire votre shampoing aux huiles. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite. Bisous! Alors pour ce soin, on aura besoin de l'huile de tournesol, mon macérat, d'huile de coco, l'huile de babassou, c'est les 3 huiles que je vais utiliser, un jaune d'œuf, du miel ou de la mélasse ou du sirop de date, et puis quelques huiles essentielles au choix. Alors c'est parti, là c'est mon reste de shampoing de la dernière fois, je vais juste faire la quantité nécessaire qui suffira à mes cheveux. Donc je vais rajouter mon huile coco pousse stimulante, elle a contribué à la pousse de mes cheveux, je vous partagerai la recette. Je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ce sera pareil pour l'huile de babassou. Je vais mettre une cuillère à soupe. Pourquoi j'ai choisi l'huile de babassou? Parce que c'est une huile hyper pénétrante. Elle pénètre au fin fond de la fibre capillaire. Super intéressant.
Je continue avec l'huile de tournesol. Ce sera aussi l'équivalent d'une cuillère à soupe. Je préfère l'huile de tournesol à l'huile d'olive. Elle va très bien à mes cheveux. Elle est hyper riche en oméga 6 et elle pénètre aussi bien la fibre capillaire que l'huile de babassou et l'huile de coco. À la place du miel, je choisis le sirop de date simplement parce que lui, il n'éclaircit pas mes cheveux. Bon, c'est pareil, hein. Vous pouvez rajouter soit le miel, soit de la mélasse, soit du sirop de glucose, je crois. C'est comme ça, un truc sucré en fait, liquide. Je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Ensuite, le fameux jaune d'œuf. Moi, je l'utilise pour cette version au shampoing aux huiles. L'œuf lave hyper bien les cheveux. Vous allez voir, les cheveux sont super propres quand on l'utilise. Et puis, je vais touiller le tout proprement, bien, pour que tout soit homogène. Et là, je vais rajouter une dizaine de gouttes de menthe poivrée. L'huile essentielle de romarin, pareil, ce sera 10 gouttes. Je choisis vraiment les huiles qui stimulent, hein, les huiles essentielles stimulantes. Et pour finir, 10 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. C'est une huile qui est hyper apaisante pour le cuir chevelu. Je touille encore bien le tout. À noter que l'eau, hein, parce que l'eau, je dirais, c'est, vous le trouverez dans le miel, dans le sirop de miel. Ça ne se mélange pas totalement. Donc, il faut bien touiller et toujours bien secouer avant l'application. Donc, voilà, je vais le rajouter à mon ancien shampoing et puis on va passer à l'application. Et là, on va procéder à notre shampoing aux huiles. Je ne vais pas du tout hydrater mes cheveux avant. Je vais immédiatement appliquer le shampoing pour qu'il réagisse directement, qu'il n'y ait pas de barrière. Je ne vais pas vaporiser parce que je ne veux pas une barrière entre le shampoing et les cheveux. Donc, la barrière aurait pu être l'eau si je vaporise. Bien évidemment, je travaille par section. Je m'assure que les cheveux sont bien imprégnés, le cuir chevelu, il est bien imprégné, les longueurs également. Je masse, je démêle. L'avantage avec ce shampoing, c'est qu'il ne coule pas en fait. Vous pouvez le garder 24 heures sur les cheveux. Il ne coulera pas dans la nuit. Donc, c'est à tester, franchement, c'est à voir. Je l'utilise une fois sur deux. C'est pas tout le temps que je mets l'œuf. C'est soit l'œuf, soit les huiles et le miel, mais pas toutes les semaines shampoing aux œufs, quoi. Donc, il faut alterner. Je n'hésite pas à rajouter du produit quand je sens que les cheveux sont bien imprégnés. Et bien, je termine par une vanille. Là, à l'arrière, pareil, je masse, je démêle, je prends le temps parce que franchement, les huiles que j'ai utilisées sont excellentes en fait pour stimuler le cuir chevelu et pénétrer la fibre capillaire. Elles apportent volume et j'ai gagné beaucoup de volume encore entre temps. Elles apportent volume, souplesse, douceur aux cheveux. Donc là, vous voyez, je prends du temps pour démêler aux doigts. Qui savait si j'avais su, franchement. Il n'est jamais trop tard. Ça fait au moins un an et demi, deux ans, voire deux ans que je démêle mes cheveux aux doigts et tout va bien. Tel que vous le voyez, il ne faut pas négliger les pointes. Je vais finir par un massage général et puis je vais mettre mon bonnet en plastique. En fait, je suis restée 25 minutes au casque. Là, je suis du retour du casque. Les cheveux, ils ont hyper bien absorbé le produit, tel que vous pouvez le voir. Et là, je suis de retour. Je vous confirme franchement, ce shampoing, il est à tester. Les cheveux sont hyper propres. Vous n'avez peut-être pas l'impression parce que c'est la luminosité et puis l'effet de la caméra, mais les cheveux sont propres. Le cuir chevelu est bien nettoyé. Donc ça, c'est le shampoing que je venais partager avec vous. C'est celui, c'est la nouvelle routine que j'ai adaptée. Je la connaissais déjà, mais je passais dessus. Donc je l'ai adaptée. Quand j'ai fini, j'ai fait un masque hydratant. Après le masque hydratant, j'ai fait une réhydratation. Puis j'ai fait ma coiffure protectrice. Et puis, une semaine après, à la veille du soin suivant, deux jours avant le soin suivant, j'ai fait ma coiffure. Et c'est celle-là. Je vous laisse avec ces images. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.